tourne pas ma tête pour l'instant. Je suis pas encore passée par le maquillage, la douche, tout ça. Ça sera cet après-midi. Ce matin, on a été faire les courses. J'ai rangé le poisson et la viande. Et là, il me reste tous les fruits et légumes. J'ai acheté énormément de choses. Pour ceux qui me connaissent, regardez ce que j'ai trouvé. Des litchis. Et j'ai même trouvé des longanes. Et ça, c'est trop bon. Ouais, je vais ranger tout ça, bien tout noter, ce que j'ai acheté pour surtout pas en laisser périmer, parce que quand on achète beaucoup de fruits et légumes comme ça, on a tendance à en perdre. Donc je vais bien tout noter, ce avec quoi je dois les faire pour pas les oublier. Voilà, donc ça c'est le menu que j'ai fait pour 3 semaines. Donc, vous voyez, je note vraiment tout, 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 vraiment avec les légumes et tout, pour rien oublier dans le frigo. Parce que ça, c'est un peu un problème qu'on avait avant et qu'on a réglé depuis la hausse des prix. C'est qu'on perdait énormément de choses. Et donc là, le but, c'est de plus rien perdre. Qu'est-ce que j'aime quand ma coupe à fruits est aussi pleine que ça déborde de partout? Je vais couper, je vais faire des dindes dans le filet de saumon. J'ai acheté un filet de saumon comme ça, entier. C'est beaucoup plus économique que d'acheter des dindes toutes faites. Vous voyez, j'ai payé 21,49 €. Ça va nous faire 3 repas, donc ça va faire du 7 euros à peu près pour le repas. Alors que quand on achète du saumon pour un repas pour 2 personnes, on a toujours pour presque 10 euros. Donc c'est plus économique comme ça, et puis là je vais séparer en 3 et mettre au congélateur. Bon, on s'ouvre ce petit colis. Alors en fait, c'est le Black Friday, hein. J'ai juste acheté chez Beauty Bay pour le Black Friday. J'avais pas trop de budget Black Friday. Donc j'ai juste acheté 4 trucs qui étaient en promo. Donc un fard mono Simple Beauty. Ça, c'est quoi? Doja Cat. Ah oui, BH Cosmetics, ça doit être... Je crois que c'est des blushs, si je dis pas de bêtises. Allez, ouvre-toi. Ouais, c'est ça. Deux blushs et un highlighter. J'ai pris un fond de teint. Ouh là 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 là. C'est beaucoup trop foncé. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois que j'essaie de commander un fond de teint sur Internet, c'est la catastrophe. C'est un fond de teint XX Révolution. Non, ça va en fait. J'ai eu super peur parce que le... Regardez, ça n'a rien à voir, le carton est beaucoup plus foncé. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, je l'avais vu plusieurs fois passer. Et puis bon, là, je me suis dit, comme il était en promo, il ne m'a pas coûté trop cher. Ça va garder vachement les traces de doigts, le bouchon. Et puis, bah, vous l'avez vu, hein, celle-là, c'est la seule où j'ai pas sauté dessus et où j'ai attendu des promos pour l'acheter. Donc, c'est la nouvelle palette d'Art Fantasy. Du coup, je crois que je l'ai eu à 8 euros ou quelque chose comme ça. Bon, effectivement, elle est très jolie, hein, mais quand on a les autres, elle sert pas à grand-chose en fait, hein, je m'en doutais. Théo nous l'avait dit aussi que si on mélangeait un petit peu toutes les précédentes, on avait déjà un peu cette palette. Mais bon, à 8 euros, je me suis dit que je ne risquais pas grand-chose. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais un make-up simple. Heureusement que je l'ai dit, parce que si je l'avais pas dit, je sais pas à quoi ça allait ressembler. Bah écoutez, j'ai juste voulu faire un make-up avec la palette, hein, de Beauty Bay, là, celle que je viens de recevoir. C'est très joli, les verts sont très jolis. Et donc bah, je me suis dit, autant être dans le thème de Noël, hein, quitte à avoir fait des yeux bien verts avec un pull rouge. Et bah voilà, big up à Céline, hein. T'as vu, j'ai mis des petites boucles d'oreilles de Noël que Cindy m'a offert d'ailleurs. Eh bien écoutez, je fais d'abord une vidéo ici avant d'aller ouvrir les calendriers pour parler du passage aux 1000 abonnés, je vous l'avais promis hier. Donc oui, voilà, je suis passée à 1000 abonnés
d'un jour à l'autre où j'avais pas trop prévu que ça arrive aussi vite, puisque j'augmentais tout doucement, sereinement, mais pas aussi vite. Et donc, et ben voilà, ça y est, c'est fait. Je pense que les derniers viennent de la chaîne de Laura. Donc, bienvenue à vous et merci. Donc, je vous avais promis, ça fait longtemps maintenant que je vous en parle, un concours un peu spécial pour le passage des 1000 abonnés. Pourquoi c'est si important les 1000 abonnés? Je pense que vous êtes nombreux à le savoir. 1000, c'est un chiffre, c'est pas que symbolique en fait. 1000 abonnés, c'est ce qui déclenche la monétisation sur YouTube. Ce qui veut dire que je vais commencer à pouvoir gagner quelques centimes. Ou je dis quelques centimes parce que clairement je m'attends pas à plus. C'est pas que le fait d'avoir 1000 abonnés qui fait qu'on va devenir riche, hein. C'est le nombre de vues et le nombre de vues, il n'est pas exceptionnel non plus sur ma chaîne. Mais bon, voilà, on va dire que. Il y a la petite gratification qui fait qu'on est quand même content de ne pas avoir travaillé complètement pour rien. Donc, comme c'est grâce à vous, j'avais déjà préparé, j'avais commencé à préparer un calendrier hein, de Noël, c'est-à-dire que j'ai mis un truc par jour jusqu'au 25 décembre, donc de aujourd'hui jusqu'au 25 décembre, tous les jours, il y aura quelque chose à gagner. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Tous les jours pendant les Vlogmas, c'est comme si on ouvrait votre calendrier, il y aura quelque chose pour vous. Alors, ça ne sera pas des grosses choses. Je parle pas de, quand je dis grosses, je parle pas de valeur, je parle de taille. Ça sera souvent des petites choses parce que je voudrais pouvoir envoyer ça simplement en lettres suivies pour éviter que ça me coûte une blinde en frais de port. Parce que dès qu'on passe au niveau colis, c'est au minimum 4,40 € chez Mondial Relais. Et fois 25, non, lettre suivie, ça serait bien. Je viens de choper Pixie au passage, qui vient vous dire bonjour. Oui, Lolo. Non, c'est pas moi qu'il faut dire bonjour, tu m'as déjà vu depuis ce matin là. C'est là qu'il faut dire bonjour. Alors, attention, ce ne sera pas des produits de calendrier. Pourquoi? Les produits que je ne garde pas des calendriers, vous le savez, je les mets dans le concours de Noël. Le concours de Noël, il est vraiment à part du concours 1000 abonnés. D'accord? Donc tout ce que je n'avais pas gardé des calendriers, tout ce que je vous montre chaque jour en vous disant ça, je le mets dans le concours, c'est pour le concours de Noël. Concours 1000 abonnés, il a un petit truc à part. Donc ce sera des choses que j'ai eues dans les box, que j'ai achetées pour les concours. C'est vraiment à part. Pour que ça puisse convenir à tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Tous les jours, je proposerai soit un produit, soit 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Comme ça, même si la chose que je vous propose ne vous plaît pas, bah vous allez toujours être intéressé par les participations supplémentaires pour le concours de Noël. Dedans, c'est pareil, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura du make-up, il y aura du skincare, forcément. Il y aura des choses pour les animaux, il y aura des choses pour la maison, il y aura des bijoux. Des accessoires, il y aura de tout. Les conditions, ça sera toujours les mêmes, ça change pas. Être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Insta et remplir le Google Form. Attention, ce sera uniquement le Google Form qui sera dans la barre d'infos du Vlogmas du jour. Hein. C'est pas comme le concours de Noël qui sera dans toutes les barres d'infos. Vous pouvez participer à tous les concours si vous voulez, vous pouvez gagner 25 fois si vous voulez, ça ne me pose pas de problème. Juste une petite chose, c'est qu'il y aura chaque fois 3 jours pour participer à chaque concours. C'est-à-dire que celui d'aujourd'hui, je tire dans 3 jours. Alors pour ces concours-là, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire des phrases mystères, des questions Instagram et tout, ce serait ingérable. Donc je suis obligée de faire autrement. Et c'est-à-dire que dans chaque Google Form, il y aura une question. Je pense que ce sera souvent une question qui portera sur la vidéo du jour, mais une mauvaise réponse sera éliminatoire. C'est le seul moyen que j'ai pour vérifier que les personnes regardent bien mes vidéos et ne sont pas là juste par opportunisme. Et vous inquiétez pas, ce ne sera pas des questions difficiles. Dernière petite chose, je n'enverrai les colis qu'en janvier, pour 3 raisons. La personne, c'est que je veux attendre de voir s'il y a des personnes qui gagnent plusieurs fois pour ne faire qu'un seul colis. Deuxième chose, vous allez attendre que j'ai mon salaire parce que voilà, ça va avec ce que je vous ai expliqué hier. Et comme je suis dans l'attente de mon licenciement, que je n'ai pas encore de date de licenciement,
Il se trouve que l'assurance a bloqué mon salaire et donc au mois de novembre, ils ne m'ont versé que 466 euros et je n'aurai rien d'autre jusqu'à ce que l'inspection du travail valide mon licenciement et cela peut aller jusqu'au 7 janvier parce qu'ils ont 2 mois pour m'apporter leur décision. Donc je peux potentiellement n'avoir que 466 euros pour 2 mois, ce qui n'est pas grand-chose. Donc vous allez attendre que je reçoive mon salaire complètement, s'il vous plaît. Et enfin, la troisième chose, c'est tout simplement que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas 25 colis, 25 boîtes, 25 tout ça pour faire les colis. Donc, il va falloir que j'accumule de quoi vous envoyer tout. Et si besoin, acheter des pochettes craft ou des choses comme ça. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas tout de suite de mes nouvelles, ce sera courant janvier. Voilà, donc je vous propose qu'on aille ouvrir mes calendriers et on terminera par le vôtre. Voilà. On est parti, je commence aujourd'hui avec deux Bijon Corp. Alors sincèrement, on est le troisième jour et là je pense qu'aujourd'hui ça va pas être terrible. C'est mes pronostics. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours que ça se passe bien. Je pense que les marques elles se sont dit bon, ça fait 2 jours qu'ils sont contents, on peut mettre quelque chose de moins bien. Enfin, je réagis comme si j'étais quelqu'un qui remplissait un calendrier. Donc là c'est une grosse boîte mais qui est assez légère. Alors qu'est-ce que c'est? La marque Memo Paris Eau de Parfum. Marfa. Alors, est-ce que je vais aimer? Alors, c'est ce format-là. Le truc, c'est que si je me le mets là, le parfum Adopt, je ne vais pas pouvoir me le mettre. J'ai trop de parfums cette année. Je ne vais pas savoir comment. Et puis, évidemment, on ne sent rien du tout. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais. D'ailleurs, je me suis pas remis mes manches. Voilà. Je vais le mettre sur cette manche-là. Je sais pas si j'aime bien. C'est pas un coup de foudre, hein, du coup vous l'aurez compris. C'est un côté un petit peu cuir, je trouve. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan, donc je vous le mets dans le concours. N'oubliez pas, un concours de Noël en barre d'infos. Le calendrier Juvi, il se présente comme ça. Ah, ça c'est sympa. C'est un petit enfant avec son bonhomme de neige. On va aller placer ça tout à l'heure. Alors, action chat. Oh, alors là, par contre, moyennement contente. C'est exactement le même qu'hier. Je pense qu'ils auraient pu au moins mettre un autre jour. Et action chien. Pareil, même qu'il y a 2 jours, donc que le 1er décembre, j'aurais bien aimé que ça change un petit peu quand même. Là, ça fait beaucoup la même chose. Je vous l'avais dit, hein, le 3, je le sentais moins bien. Adopt, c'est pareil. Hein. Adopt, ça fait 2 jours déjà que j'aime bien les parfums, alors que normalement, j'aime pas les parfums Adopt. Alors là, eh ben non, c'est un gel douche, du coup, c'est pas un parfum. Il se présente comme ça, il est très joli. Est-ce que je peux sentir? Oui, je peux sentir. Ah ouais, ça sent bon. Non, non, je garde. Bien, adopte, bien. Ah, c'est cool, c'est comme ça m'évite de mettre du parfum partout sur tous les bras. Et non, je confirme que j'aime pas le parfum. Non, il y a un petit côté qui me dérange. Alors, c'est pas du tout sucré, hein, pour le coup, mais je sais pas, c'est un petit côté cuir qui me dérange un peu. Calista, ça se trouve, c'est un parfum aussi, du coup. Alors, bah, c'est pas pour moi. Ça va être pour mon chéri. C'est un gel pour les mains désinfectant parfumé de la marque Caron. Un spécial homme. Je vois pas en quoi c'est spécial homme. Hein. Et ben vous savez quoi? Mon chéri n'en veut pas. Donc, concours. Comme ça fait un peu de produit pour les hommes. C'est bien aussi. Hein. Glossy Box. Alors, c'est un mascara de la marque Gauche que je ne connais pas. Et ça s'appelle Darling Lashes. Alors, pour savoir si je le garde, je vais être obligée de l'ouvrir parce que je n'aime pas toutes les brosses. Ok, il est très joli, hein? Il a des petites paillettes ici. C'est très mille et une paillettes. Alors, comment est la brosse? Non, ça va, je pense que je vais bien aimer. Elle est comme ça. Moi, j'aime pas les brosses en silicone. Donc, je le garde. Les madeleines, ce sera pour 4 heures cette fois, hein, puisqu'on est déjà, il est 14h30, je crois. Et c'est une madeleine au chocolat.
Tout simplement, elle a la coque en chocolat noir et elle est au chocolat. Bah écoutez, on va goûter, voir si ça, ça change quelque chose au niveau du goût. Savonnerie de Bormes. Alors là, au niveau du format, de ce que je sens, je pense que c'est un fondant. Ça sent le chocolat. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un savon. Mince. Ouais. C'est un savon qui se présente comme ça et qui est au chocolat. Alors ça sent très bon. Malheureusement, je n'utilise pas de savon solide, donc ça va aller dans le concours. Chez Rituals. Ah, j'adore ce produit. Trop contente de l'avoir. Je l'avais déjà eu et j'aimais beaucoup. C'est l'huile Ritual of Ayurveda. C'est une huile corps. Et je l'adore cette huile. Elle est trop bien. C'est une huile sèche. Elle laisse pas du tout un fini gras. Je suis super contente d'avoir ça. Le AM Cosmétique Spécial Fondant, il est là, comme ça, comme épicé. Ah, ça c'est bien, c'est un parfum un peu plus de Noël. Pour l'instant, je trouvais que c'était des parfums, c'était des fleurs, mais c'était pas particulièrement lié aux fêtes. Et là, pomme épicée, normalement, c'est vraiment Noël, quoi. C'est léger. Alors, c'est encore une petite fleur, c'est pas les mêmes fleurs à chaque fois. Non, bah ça c'est cool. Ok. On passe à AM Cosmétique, mais le Total Détente. Huile parfumée diluée à la lavande. Décidément. Laura, c'est pas pour toi, celui-là. Mais alors, qu'est-ce que j'en fais en fait? Alors, ça se présente comme ça. À la vue, là, ça me fait vachement penser aux huiles pour le bain que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier Knaï. Oui, alors ça sent la lavande, hein, ça oui, ok. Il y a une petite explication à l'intérieur. Bon, c'est juste marqué à diluer avec de l'eau, donc je pense qu'effectivement ça peut se mettre dans le bain comme j'ai eu l'année dernière. Mais du coup, j'en ai déjà plein des huiles pour le bain, donc je vous le mets dans le concours. Si vous ne le prenez pas, je le garderai. Mais vu que j'en ai plein, autant que si ça vous intéresse, que ça puisse vous... Le calendrier de Laura, donc petite maison numéro 3. À l'intérieur, j'ai encore des chocolats. Laura veut que je devienne grosse à la fin du vlogmas. Let's glow girl. Bon, bah c'est quelque chose qui brille en tout cas. Donc, son petit paquet, il est comme ça. C'est une palette d'highlighter de la marque Révolution. Elle a l'air trop belle. Donc elle est comme ça, attendez, je vais vous retirer là, elle a l'air trop belle, waouh, et ben à mon avis je vais bien briller avec ça, trop belle, waouh, trop belle, merci beaucoup, super, qu'est-ce qu'il nous reste, il nous reste encore Cottage, et ben écoutez ça me convient encore, c'est un douche gommage à la pomme. Et souvent la pomme c'est pas trop sucré. Donc ça j'ai hâte de le tester aussi. Ça fait 3 jours que je suis contente de Adopt et de Cottage. Et franchement c'était ceux qui me faisaient le plus peur. Donc je suis super contente. Souvent les trucs qui sentent la pomme c'est pas trop sucré. Je sais pas pourquoi. Et donc il nous reste le Gloria. Alors c'est une boîte verte qui a une valeur de 9€ et c'est marqué détoxifie. La marque c'est l'artisanière, donc détoxifie votre épiderme, là je m'attends à soit un masque, soit un nettoyant visage. Chai Spice, sève micellaire bio. Conseil d'utilisation, agitez le flacon, versez sur un coton, frottez sur le visage pour éliminer les impuretés. Bah non en fait, c'est pas... À la base de sève de bouleau de Finlande, à l'arôme naturel de pain d'épices chai spice. Alors en fait, je comprends pas bien du coup si c'est sève micellaire. Pour moi, ça serait comme une eau micellaire pour démaquiller. Bah ça me convient très bien. Alors franchement, je connais pas l'artisanière. Si ça me parle, on a eu un produit de la marque l'artisanière. Le nom me parle, mais ce produit-là, je connaissais pas du tout. Donc ça se présente comme ça. Je suis en train d'hésiter à ouvrir un paquet supplémentaire de Laura parce qu'aujourd'hui j'ai 4 produits qui ne me plaisent pas. Ça, je ne suis pas très contente non plus parce qu'on les a déjà eus.
J'ai 9 produits qui me plaisent, 4 produits qui ne me plaisent pas et 2 produits où je suis moyennement contente. Donc ça fait 4 et ça fait presque 6 du coup. J'avais dit que s'il y avait 6 produits qui ne me plaisaient pas, je piochais un nouveau paquet. Donc je pioche un nouveau paquet. Par contre, elle n'a pas mis de numéro, donc c'est au hasard, je pense. Donc j'ai pris celui-ci, c'est marqué Santa made this for you. Alors, trop bien! Et vous savez que j'en ai même pas, et ça doit faire, je sais pas, et ça doit faire au moins 4-5 ans que je me dis qu'il faut que j'achète ce genre de produit et que je ne l'achète pas. C'est trop bien. Laura, franchement, je n'en ai pas, alors que ça fait 5 ans que je dis mon point. C'est donc, vous savez, ces petites éponges nettoyantes à pinceau pour épousseter comme ça, c'est trop, trop, trop bien. Je suis trop contente. La fille qui s'extasie sur un nettoyeur à pinceau. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je dis qu'il m'en faut une. Franchement, Laura, t'es top. Voilà, donc je vous rappelle juste ce que je vous mets dans le concours de Noël. Le savon au chocolat. L'huile pour le bain à la lavande. Le parfum Memo Paris Marfa. Et le gel pour les mains pour un homme de 40. On passe donc à votre calendrier pour le concours 1000 abonnés. Dans votre case 3, j'ai mis le Berry Gel de Trifle Cosmétique. Donc il se présente comme ça, c'est un baume à lèvres en fait, un petit peu coloré au parfum de fruits rouges. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc vous pouvez participer dès maintenant, donc en n'oubliant pas de remplir votre Google Form. Et donc vous pouvez choisir soit le Berry Gel Trifle Cosmétique, soit 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Voilà, et bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui, puisque cet après-midi, il est déjà largement temps que je m'occupe du montage et j'aimerais bien enfin pouvoir faire mon ménage, puisque avec tous les vlogmas, tout ça, j'arrive même pas à faire mon ménage. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Au revoir.